Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. On est dimanche. Et je vous souhaite d'ores et déjà une sainte messe. Sainte messe catholique. Merci Jésus pour ta sainte messe du dimanche. Nous allons prendre ton corps et ton sang. Alléluia. Le pain d'effort. Et d'ailleurs, nous allons lire à cette sainte messe l'évangile. Selon Saint Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 40. Amen. Alors, la lecture est un peu longue, mais une fois de plus, comme il y a peu de temps, c'est toi, bien-aimé Jésus, qui nous enseigne. Le blé et la mauvaise herbe. Jésus leur présenta une autre parabole. Il leur dit, voici une image du royaume des cieux. Un homme a semé dans son champ de la bonne semence. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu et a semé l'ivraie au milieu du blé, puis il est parti. Quand le blé en herbe a donné la tige et le grain, l'ivraie aussi est apparue. Alors les serviteurs du maître de maison sont allés le trouver pour lui dire, Seigneur, n'est-ce pas de la bonne semence que tu as semée dans ton champ? Et d'où vient cette ivraie? Lui leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Alors les serviteurs lui demandent, veux-tu que nous allions le ramasser? Mais il leur dit, ne le faites pas. En ramassant l'ivraie, vous pourriez aussi arracher le blé. Laissez-les donc grandir ensemble jusqu'à la moisson. Au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et faites-en des bottes pour les brûler. Ensuite, vous rassemblerez le blé dans mon grenier. Jésus leur présenta une autre parabole. Voulez-vous une image du royaume des cieux? Pensez à la graine de moutarde qu'un homme a prise pour le semer, pour la semer dans son champ. C'est la plus petite des graines, mais quand elle a grandi, elle est la plus grande que les légumes. Elle devient un arbre si bien que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. Jésus leur dit une autre parabole. Voulez-vous encore une image du royaume des cieux? Pensez au levain qu'une femme prend et enfouit dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que tout soit levé. Jésus disait tout cela aux foules en parabole. Il ne leur disait rien sans faire usage de paraboles, de sorte que s'accomplissait la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche et je parlerai en paraboles. Je ferai connaître les choses cachées depuis la fondation du monde. Après cela, Jésus laisse la foule et vient à la maison. Alors ses disciples s'approchent de lui et lui disent, explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. Jésus leur dit, celui qui sème la bonne graine, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne graine, ce sont les enfants du royaume. Les mauvaises herbes sont les sujets du mauvais. L'ennemi qui les a semées, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs sont les anges. Voyez comment on ramasse l'ivraie pour la jeter au feu. Ce sera pareil à la fin du monde. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Parole du jour. Il faudrait des heures pour aborder tout cela. Je vous propose qu'on se concentre sur le fameux ivraie. Sans se prétendre des personnes bonnes, eh bien nous sommes mélangés avec des personnes mauvaises. Mais vous voyez, l'image est insatisfaisante. Parce que nous savons qu'il y a une partie de nous qui n'est pas terrible. Donc nous aussi, on peut être mélangés. Et c'est pourquoi il faut appeler au secours Jésus quand nous sommes mélangés. Quand nous sommes tiraillés entre le bien et le mal, seul Jésus peut nous libérer de cette division. D'ailleurs, le diable veut dire diviseur.
Donc, afin de ne pas laisser pousser l'ivraie en nous, commençons par balayer devant notre porte. Et effectivement, il y a des personnes, il faut pas se leurrer, qui pactisent avec le diable. Hein, nous en avons au plus haut sommet de l'État. Donc, nous le savons, ils sont serviteurs de Satan. Et c'est effectivement cet ivraie qui veut tout simplement empêcher de croître le blé, le bon grain, comme tu nous le dis, Jésus. Donc, il nous faut absolument grandir en toi, Jésus. Et il n'y a que toi, bien-aimé Jésus, qui puisse faire en sorte que nous soyons un bel épi de blé. D'ailleurs, le mot est lâché au verset 38. La bonne graine, ce sont les enfants du royaume. Et les mauvaises herbes sont les sujets du mauvais. Voilà. Les sujets du mauvais. Vous voyez comme Jésus a mis. On peut méditer sur les sujets. Cela veut dire beaucoup de choses. Merci Jésus pour cet éclairage. C'est normal que tu nous éclaires, bien-aimé Jésus. Tu es la lumière. Donc, ne soyons pas dans cette attente de la fin du monde et à ne rien faire. Il nous faut prier, prier les uns pour les autres, supplier Jésus pour que le maximum de bons grains, le maximum d'enfants du royaume ne soit pas, ne cède pas à l'ennemi des âmes, ne cède pas au diable, tout simplement. Et nous savons. Les tentations sont innombrables. La télévision, jetez-la à la poubelle et commencez à prier, à aller à la sainte messe, afin de retrouver Jésus dans votre cœur. Retrouvons Jésus dans notre cœur et laissons-nous guider par lui. Lui seul nous mènera au bon port qu'est ton royaume des cieux, Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint. Donc, travaillons sans relâche. Pas que pour nous-mêmes, puisque Jésus nous le demande. Hein, nous le demande dans la feuille de route. Il nous a donné les critères du jugement dernier, très important. Nourrissez les affamés, donnez à boire à ceux qui ont soif, vêtissez ceux qui sont nus, libérez les captifs, visitez les prisonniers, visitez les malades, accueillir l'étranger. Pas forcément l'étranger qui vient dont on ne sait pas d'où. Et des fois, ça se termine en pillage, vous êtes au courant. Donc, en saccage, en pillage. Donc, attention, on ne met pas tout le monde dans le même sac, bien entendu. Et c'est pour ça que Jésus nous dit d'accueillir, mais avec discernement. Donc, le bon grain de l'ivraie, nous en avons des démonstrations. Hein. Nous en avons tous les jours. Donc, ouvrons grand les yeux. Soyons lucides et surtout prions, prions pour la France, le peuple franc, en demandant pardon pour l'apostasie qui est la source. L'ivraie s'appuie sur cette apostasie pour croître. Hein, et nous devons faire l'inverse. Nous devons croire et mettre en pratique ta parole, Jésus, le maximum possible sans forcément ajouer les saints ni les parfaits. Mais simplement demander à Jésus de nous aider à transformer ces noirceurs que nous pouvons avoir, ou ces tentations, pour résister à la tentation de l'ennemi des âmes qui nous séduit. Il ne nous montre pas ses crocs. Non, 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 non. Il nous séduit par plein de choses. Pas la peine de les détailler. On les connaît. Ça se résume. Le pouvoir, l'argent, le sexe, c'est absolument son terrain de jeu au diable, qui veut dire diviseur. Donc, courons à la Sainte Messe, prendre le pain des forts, afin que Jésus, tu nous donnes la force de rester debout. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez tous bénis selon ta sainte volonté, Jésus. Et je vous confie aussi aux prières de notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. À très vite.